Ouais, salut à tous. On est là pour faire l'épisode 2 de Life is Strange. Donc on va. Vous voyez, j'avais fait déjà le premier épisode. On est parti. On se fait l'épisode 2 Out of Time. C'est parti. Alors, que va-t-il se passer dans cet épisode? Saura-t-on quelle est cette mystérieuse disparition? Lui, c'est un gros connard, hein, de toute façon, on le sait bien. Voilà la putain de tornade. On est parti! Alors, faut que je me souvienne comment on y joue déjà. C'est le problème des jeux à épisode, c'est qu'il s'est passé 8 semaines quasiment entre les deux épisodes. Et monsieur a plus trop, c'est quoi les contrôles? Encore du bon son comme d'habitude. Cinémateur, c'est du bon quand même. C'est du très bon. Ah, petit. Ah. Petit bug de mon PC, voilà, c'est bon, c'est reparti. Le PC, il aime, enfin, le jeu, il aime pas qu'on fasse un petit Alt F4. Bon, il se met en pause direct, au moins, c'est bien. Non, c'est plus le bordel que dans l'épisode 1, dans sa piole. Bon, elle a besoin d'une douche. Alors, les douches. Ah, j'ai deux trucs. Je me souviens plus comment on regarde les mails déjà. Ça c'est. Ah, et là. Là-haut. Donc, hop. Je te laisse, t'as 40 minutes, dépêche. Oh, la pauvre, elle a une dépression. Ah. Alors, son gel douche. On va faire le lit. Ah, on est quelqu'un de bien. Alors, il est où son gel douche? Il est là?
C'est pas magique, c'est mystique. Alors, le gel douche, il va être où? Post-it. Là, il y a des produits, non? Ah, j'ai fait un truc, la plante va pousser, quoi. Alors, le gel douche, où est-ce qu'il est ce gel douche? Affaire de toilette. Hop là. La douche. C'est où la douche? Elle se passe mal en petite culotte dans les couloirs alors que bon, y a tout le monde qui est là. Ah, showers, c'est là. Allons prendre une douche. Salut. Je kiffe trop la direction artistique de jeu, franchement, elle est excellente. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi je la trouve excellente. J'ai lu sur des forums, il y en a qui disent ah les cheveux ils bougent pas en 2015, c'est n'importe quoi. Enfin, bon bref, c'est un détail, qu'est-ce qu'on en a à secouer des cheveux qui bougent. L'ADA toute pastel et tout, c'est trop cool. Bon, faut croire que je lui ramène son carnet. Alors. Prenons une douche. Petit souci. Yep là. On sera mieux là. Ouais, elle va pas bien, elle. Tu ferais gaffe, t'en as encore un peu sur la joue. Elle, ça rend une connasse. Faut m'excuser, mais c'est une vraie connasse quand même. You're an evil biatch. Elles ont carrément un nom de domaine et tout. Là, les connasses.
La puissance des loutres. Ouais, la puissance des loutres, quoi. Ils sont timbrés dans le jeu. Hein, Kid Girl? Ok. Retournons à la chambre. Hop. Oh là là. Alors, le bouquin. Alors, le bouquin. Non plus. Un jour, il faudrait penser à t'habiller, petite. Oh, ah, bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut lui trouver un peu de. Un peu de PQ, quelque chose? Ah oui, bah non, c'est vrai. C'est vrai, il suffit de faire ça. Et oui, c'est un peu le principe du jeu. Je claque. Et voilà. Ok, ça c'est bon. Tu aurais pas t'habiller peut-être? Ce serait peut-être une bonne idée. Voilà. Je suis pas non plus fan des teenagers à moitié à poil dans un jeu, personnellement. Hein, voilà. Ok. Alors, la truc de Kate, je crois que c'est de l'autre côté. Numéro privé. Ferme ta grande gueule, sinon je te défonce. Je sais où tu dors. Ok. Ouais, c'est de l'autre paire à la con là. Je pense que j'aurais dû dire l'autre chose. On l'a drugué. On l'a sûrement drugué.
Eh oui, c'est ça, lui, au lieu de la droguer. Oh. Putain, c'est vraiment des enfoirés, ça. Sérieusement. Ils ont été la droguée et tout. Salut Percy Dark. Ça va et toi? Son livre. Et les autres, c'est les enfoirés, quand même. Bon, on est là, on teste l'épisode 2 de Life is Strange. Bah, c'est Life is Strange, c'est un jeu un peu épisodique à la Telltale, fait par des Français, Dontnod. Besoin de preuves. Et donc, là, c'est le deuxième épisode. Et on contrôle Max, une jeune teenager américain. Mais par rapport au Telltale, au Walking Dead, etc., c'est qu'on a le pouvoir de retourner dans le temps, de revenir en arrière dans le temps. Donc si on n'est pas, il y a des énigmes avec ça, et puis si on n'est pas content des réponses qu'on a données, on peut revenir en arrière pour donner une autre réponse. C'est le principe du jeu. Genre là, c'est pas terrible quoi. Je vais essayer la deuxième réponse. Enfin, l'autre réponse que j'ai pas faite. Voilà. Donc hop, il suffit que je retourne en arrière. D'ailleurs, on va y aller clac. On va y aller en mode plus vite. Voilà. Et on peut se retaper. On peut changer le. Voilà la. Bon, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut se retaper toute la conversation, forcément. Voilà. Mais bon, on peut passer, quoi. Voilà, on peut passer à chaque choix. Donc là, on fait hop, je n'avais pas le choix. Donc voilà, ça on peut passer. Donc là, je lui ai dit hop, ça c'était pas mal. Donc on peut réavancer. On va lui dire qu'on va aller voir la police. Donc elle était pas terrible tout à l'heure. Voilà, elle a embrassé tout un tas de gars. J'ai dit ça ne te ressemble pas, c'était pas mal. Voilà, pas assez pour être wasted, voilà. Et donc là, on va lui dire qu'on va aller voir donc ça Nathan Prescott. Voilà, on va refaire pareil, c'était pas mal ces choix-là. Donc on l'a drogué. On va lui mettre E comme tout à l'heure.
Ah, bah pourquoi je peux plus dire... Tiens, c'est bizarre ça. Je peux plus lui... Bah, je peux plus lui dire la police. Ah tiens, c'est bizarre. Bon. Je peux pas sortir de la pièce. Ah bah non, faut que je lui rende son livre. Ah voilà, non, non, c'était là la police. Ouais, c'est un bon système, Percy Dark. On n'est pas obligé de tous retaper le jeu pour voir qu'est-ce que ça aurait fait si on faisait tel choix ou tel choix. Donc là, on va lui dire, va voir la police. Voilà. Bon, le proviseur, c'est un gros bâtard. On l'a vu dans l'épisode 1. Il en a rien à foutre. Et ce qui est bien aussi, Percy Dark, c'est qu'ils ont fait des énigmes avec ces histoires de remonter le temps. Dans l'épisode 1, il y avait des trucs comme ça, il y avait une fille qui bloquait le passage. Et il fallait trouver le moyen, en fait, qu'elle se barre de là. Et en fait, en bidouillant avec le temps, tu lui faisais tomber un pot de peinture sur la face et elle se barrait. C'était pas mal foutu. Il y avait deux, trois autres trucs aussi où... Faut pas faire de bruit, t'ouvres un placard, ça fait tomber des trucs, merde. Bon, bah alors je remonte le temps, je change la lampe qui va se casser la gueule. Oui. Enfin bref, c'est un jeu que je conseille, c'est un jeu, moi j'ai bien kiffé. Max, manger. Two Worlds. Je te retrouve sur place. Yeah, petit déj. Pas d'emoji. C'est pas un emoji. je crois que tu peux le trouver à pas cher sur le Humble, mais je sais plus. Il y avait une promo la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je sais pas si elle y est encore. Donc il faut que j'aille au resto. Hop. Bon après sinon il est sur console aussi hein. Il est sur PS4 il est sur PS4 Xbox One. Moi j'y joue sur PC là. Il doit même être sur PS3 aussi je crois. Faut vérifier. Et donc c'est par épisode. Donc il y a 5 épisodes. C'est à 5 à 4 euros l'épisode je crois. 4 ou 5 euros. Mais si tu prends toute la saison, moi je sais que toute la saison je l'ai payé 18 euros. Ça fait en gros ça fait un épisode gratos quand tu prends toute la saison quoi. Ouais, carrément le père super Richard de l'autre. Donc faut que j'aille au resto. Le resto, où est-ce que c'est? Oui, c'est par épisode, c'est la même histoire qui se suit au début. Bah tu découvres, donc tu découvres c'est Max. Je vais pas trop te spoiler, mais c'est Max qui revient dans sa ville natale pour aller à cette académie, là, la Blackwell Academy. Et donc, parce qu'il y a le meilleur programme photo de tout le pays. Et donc, elle revient, et puis bon, bah voilà, tu vois, elle est un peu introvertie, elle est un peu machin, elle a des problèmes. Et il arrive des trucs un peu bizarres. Je vais pas en dire plus. Je peux prendre le bus? Ouais, on va prendre le bus pour aller au resto. Ah, il y a l'autre. Il y a l'autre qui est à moitié boyfriend, slash, il est pas loin de glisser dans la friend zone. Hein. C'était intense. Oui, Percy Dark, obligé de prendre le 1 pour faire le 2, bah, c'est normal, c'est par épisode, c'est comme Walking Dead, tu fais pas l'épisode 2 de Walking Dead, t'as pas fait le 1. C'est comme une série télé, tu les regardes dans l'ordre, là c'est pareil, tu les joues dans l'ordre.
time? You haven't seen each other in a while. I bet you regret it to see your blast up in that truck you go. Ouais, Tel, tu veux dire qu'il y en a qui font les épisodes, ils les font pas dans l'ordre? Ce serait très con. Ouais, ça peut être pas mal. Vous l'avez fait! Bon Dieu, c'est vous qui l'avez fait! À la fin du 1, quand il trouve la Statue de la Liberté. Allez, on peut prendre le bus. Ah, de la friend zone pour Warren. Ah, on verra ça. Mais à mon avis, il y glisse inexorablement. Ah ouais, mais c'est pas pareil ça, Percy Dark, c'est pas des épisodes, c'est le numéro 3 de la série de Fear, quoi. C'est pas vraiment un des jeux épisodiques. Tu peux faire Far Cry 3 sans en avoir fait le 1 et le 2, c'est pas un problème. Le jeu en lui-même, tu peux jouer au jeu, le jeu entier il a une histoire. Allez, un peu de Filmators là. Ouais. Ah, la BO du jeu, elle est excellente quoi. C'est fait par un Français qui s'appelle Filmators. Je vous conseille d'aller checker ses albums sur YouTube ou sur Spotify. C'est du très très bon. Non, j'ai pas fait Beyond Two Souls parce que j'avais pas de PS3. J'étais sur Xbox 360 et puis toujours PC quoi de toute façon donc. Et perso les jeux de David Cage voilà quoi. on va s'arrêter là hein. Quand on dit jeu de David Cage, on a tout dit. Ah, on n'entend pas trop le son. Alors je vais le monter. Je l'avais baissé la dernière fois. Oh, pourtant il est super fort pourtant. Ben non, c'est pas ça qu'il faut. Il est à fond le son. Ah, je vais hop. Audio. Je sais ce qui allait pas. J'ai oublié de changer un truc. J'ai oublié de changer un truc comme j'étais en. On était en. En Mumble la dernière fois que j'ai streamé. Là, vous devriez. Dites-moi si vous entendez mieux le jeu là. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est pas mieux. Mais c'est bizarre ça. C'est quoi ce bordel? Presque inaudible. Pourtant.
Alors, je vais me mettre à fond. Dans les paramètres de jeu. Ah, je suis tout à fond. Ah 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 ah. Alors, c'est quoi le souci? Ah, pop, 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 pop. Audio, ça c'est bon. Ah, faut que je coupe le stream. Non, non, il faut que je coupe le stream. Bon, je coupe et je reviens. OBS, tu veux t'arrêter, non, ou bien? Ah, c'est sur OBS en fait. Mais pour que les paramètres soient appliqués, il faut que je reboote OBS.